Go, vas-y, 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 vas-y. Ok, nice. 10 points. 10 points, vas-y, vas-y, donne, 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 donne. Donne, 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 mon loulou. Vas-y, je te félicite, c'est bien quand il va être tapis. Ok, go. 3, 2, 1. Yo tout le monde, c'est Kilera, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave aujourd'hui, l'heure est grave. Qui se souvient de l'époque où nous avions une 3DS? Vous savez, les premières 3DS. L'époque où on faisait chier nos parents, tout simplement parce qu'on voulait un chien ou un chat. Et du coup, nos parents ne voulaient pas. Alors, ils prenaient d'autres décisions. Des décisions importantes. Vous achetez notamment Nintendogs. Vous vous en souvenez ou pas, les amis? Si je vous dis que sur Nintendo Switch, ils ont remis le couvert. Et oui, est-ce que ça ne serait pas une bonne nouvelle, mon petit Michel? Et oui, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay pas dégueulasse sur Little Friends Dog and Cats. Du coup, alors, la hype, j'ai une hype monstrueuse, les potes. J'ai eu l'occasion de le tester et de repartir avec le jeu. Merci encore à Just For Games. On a pu tester le jeu là-bas, d'ailleurs, on était dans un bar à chats assez cool avec pas mal de chats. Ah bah, quand ils t'ont dit bar à chats, c'était pas des conneries. Hein. Ah, il y avait des chats. J'ai posté quelques petites photos, quelques petites vidéos sur Instagram. Bah, si tu l'as pas vu, mon petit Michel, d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux. Bah oui, c'est bien, donc n'hésite pas à cliquer, tout est listé de toute façon juste en bas dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes à mon Instagram, c'est gratuit, ça fait plaisir. En plus de ça, tu peux me suivre un peu partout lors d'événements ou de trucs comme ça, et c'est fort sympathique, franchement on va pas se mentir. Donc du coup aujourd'hui mon petit Michel, on se retrouve pour Little Friends Dog and Cats. Et oui les potes, donc du coup le jeu va sortir dans quelques jours en magasin. J'ai une hype monstrueuse. Le Nintendogs, d'ailleurs il y avait Nintendogs, Nintendogs, d'ailleurs attendez, il y en avait plusieurs, si, il y avait plusieurs races de chiens, et je crois même qu'il y avait Nintendogs plus cats, je crois même qu'il y avait un truc comme ça, et franchement, j'ai une hype de ouf, j'ai hâte d'y jouer, on va voir ça ensemble. Regardez-moi cette mignonnerie, il y a des petits accessoires, regardez pour le chat avec les ailes, en mode diabolique, là il y a un mode Père Noël. Il y a des trucs trop badass, donc du coup les potes, je pense que sans plus tarder vous voulez voir du gameplay. Donc on s'équipe de la Switch mon petit Michel, et c'est parti, ça part tout de suite sans plus tarder. Donc du coup regardez-moi cette mignonnerie. C'est ce que, alors, je l'ai appelé Drogon. J'ai appelé Drogon, tout simplement parce que bah déjà, voilà, Game of Thrones, vive Game of Thrones. Pas la fin, mais vive Game of Thrones. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un bulldog français qui est chez ma maman, et du coup, bah voilà, quand j'ai vu qu'il y avait le bulldog français qui était disponible, je ne pouvais pas être en mode, ben non, allez vous faire foutre en fait. Donc pendant que le jeu est en train de se lancer, les potes, Little Friends, Dog and Cats, du coup, si vous ne savez pas, bah voilà, vous vous en doutez, on va pouvoir sélectionner notre chien ou notre chat dans le même jeu, mon petit Michel, et ça, ça fait plaisir. Pour le moment, il n'y a pas de DLC qui est prévu ou quoi que ce soit, parce que je me souviens que sur Nintendogs, on avait plusieurs versions. Je crois qu'on avait une version Nintendogs avec un Labrador, un autre avec un bulldog, moi c'était le bulldog. Moi c'était le bulldog que j'avais d'ailleurs, c'est ce que j'ai encore. Ah, je sais plus, ça doit être rangé ailleurs, mais j'ai toujours la pochette avec le bulldog dessus. Donc du coup, sans plus tarder les potes, je vais vous montrer un petit peu les races qui sont disponibles en tant qu'ami. Ok, donc il y a pas mal d'amis qui nous attendent, dépêchez-vous, choisissez votre premier ami. Donc du coup, on va pouvoir voir les chiens ici pour le moment et je vais vous montrer après les chats. Sélectionnez confirmer amis lorsque vous voulez choisir des amis à l'écran. Sélectionnez recherche d'amis si vous voulez voir d'autres amis parmi lesquels choisir. On va chercher d'autres amis, on va continuer, donc voilà. On voit du coup juste ici les races qui sont disponibles dans le jeu, donc on a 6 races de chiens disponibles dans le jeu. On a un petit Shiba Inu qui est pas dégueulasse, un petit Chihuahua. Ah voilà, c'est un caniche tout simplement, un caniche. Ici on a un berger allemand, un bulldog français, c'est les plus beaux. Et un labrador retriever. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez un chien ou un chat. Et si vous avez un chien, quelle est la race de ce chien justement, s'il est dans le jeu ou pas. Et si vous avez un chat, bah quelle est la race du chat tout simplement. Donc, bah, voilà, vous vous en doutez, si moi j'ai envie de prendre un bulldog, mais je vais déjà vous montrer dans un premier temps ce que ça donne. Donc, on va aller voir les Shiba. Allez, on va cliquer tout de suite, donc on va pouvoir choisir le sexe du Shiba. Soit un mâle, une femelle, ou sinon aléatoire. On va mettre aléatoire, et on va pouvoir choisir la couleur du pelage. Donc, soit un pelage marron, un pelage noir et blanc, ou un pelage brun sésame. Donc là, pour le coup, je vais dire aléatoire aussi, et en fait, ça va commencer à faire une recherche. Oh, il est trop beau celui de droite! Oh, on dirait qu'il est tout squelettique, il est trop badass. Donc du coup ça fait une recherche et face à nous on a plusieurs Shiba qui nous sont proposés. Si vous voulez voir d'autres coloris du coup, pas de panique, vous cliquez juste sur groupe suivant juste en bas à droite et bim. Regardez, donc là on a... comment il les dégage. Allez salut. Ils sont trop mignons sérieux, donc vous avez plein de coloris qui sont disponibles. Oh non mais celui du milieu il est trop cute sérieux, il est trop cute. Donc il y a plusieurs coloris qui sont disponibles, bah, le marron comme on voit, noir qui revient à plusieurs reprises et le blanc. Ils sont trop mignons, oh ils sont trop choux, les noirs sont les plus beaux, les blancs aussi sont magnifiques, mais là pour le coup voilà. Donc on va regarder, recherche d'autres amis, allez on va sélectionner une autre race,
On va prendre, bah pas mon bulldog du coup, parce que... On va prendre les chihuahuas. Allez, on va checker les chihuahuas. On va faire aléatoire là aussi. Directement. Alors, on peut ne pas faire aléatoire. Vous pouvez très bien sélectionner une couleur hein, prédéfinie. Mais moi, je préfère faire aléatoire pour voir un petit peu ce que ça donne. Le gris est magnifique. Le noir aussi est beau gosse. Ah, j'avoue, je crois que j'ai un fait pour tous ceux qui sont couleur un peu foncée et tout. Ils sont trop mignons. Donc, du coup, on va en checker un autre. Après, on va partir chez les chats, les potes, pour voir ce que ça va donner. Et après, on partira en gameplay pour voir ce que ça donne. On va regarder les berges allemands. Ma soeur a un berger allemand. Et du coup, allez, si on prenait un peu. Non. On va continuer en aléatoire, de toute façon on les verra tous. Oh là là, oh, il est trop beau celui à droite. Celui à droite il est trop mignon. Oh il est trop choupi. Donc du coup on va regarder du coup, le groupe suivant. Alors celui du milieu il me donnait la patte, il était quand même hyper badass. Oh, oh le noir. Too black. Lui il devrait s'appeler Zoom. Pour ceux qui regardent la série Flash, il devrait s'appeler Zoom. Ils sont trop mignons. Donc, on va partir sans plus tarder sur les potes, les chats, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a au niveau des chats. Et puis après, on sélectionnera. Après, je pense qu'on retournera dans ma partie. Oh non, les amis, je suis en train de m'apercevoir d'un truc. En fait, l'icône de chat que vous voyez en troisième position est grisée. Donc, je ne peux pas prendre de chat pour le moment. Je suis dégoûtée. Je suis tellement déçue. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on les débloque. Je pense qu'il va falloir qu'on les débloque. En fait, avec un système de leveling, on a un système de level dans le jeu. Oh là, celui du milieu. Il est trop beau. En fait, on a un système de level dans le jeu et je pense vraiment qu'il va falloir level up pour pouvoir débloquer les chats. Et je suis tellement tristesse. C'est pas grave, au pire, on fera une deuxième vidéo sur les chats cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, les potes. Donc, on va faire recherche d'amis. On va partir, aller sur... allez, les petits labradors, on n'a pas encore eu l'occasion de les voir, les potes. Ils sont tellement cute aussi. Hein. Ils sont tous mignons de toute façon. Hein. Donc, ils sont juste ici. On peut faire groupe suivant. Oh, ils sont trop mignons. On peut refaire groupe suivant. Donc vous voyez, vous avez... admettons, là, vous avez flashé sur le noir. On va faire confirmer l'ami. Et en fait, il va nous montrer, du coup, les labradors qu'on a eu face à nous il y a quelques secondes. Donc on voit le labrador retriever, obéissant, d'un naturel curieux et aime la nourriture. On peut faire next. Docile, très amical et aime se sentir beau. Et ensuite, juste ici, facile à vivre, très amical et aime la nourriture. Et étonnamment, vous me croyez pas, j'ai flashé moi sur le noir. Donc voilà, vous voyez, tout est là, tout est là. Donc moment de qualité, on peut le placer dans le top 3 aussi pour pouvoir aller checker d'autres chiens en attendant. Et on peut le placer, voilà, dans le top. Et comme ça, en attendant, on peut regarder les autres chiens sans perdre celui-ci sur lequel on avait flashé précédemment. Petit moment de qualité, ça fait toujours plaisir, où on peut caresser justement les petits animaux. Donc alors, pointez le Joy-Con sur l'écran et appuyez sur le bouton plus. Alors moi, je l'ai fait, mais comme ça, quand j'avais la machine directement. Là, je l'ai pas fait comme ça, donc on va tester. Alors, pointez le Joy-Con sur l'écran et appuyez sur le bouton plus, donc ok, tout simplement. Donc on va pouvoir le caresser, du coup moi personnellement je préfère faire au tactile, je trouve ça plus cool. Moi je trouve ça plus cool de le faire au tactile, on a aussi de quoi brosser nos petits animaux. Donc là pour le coup je vais pas choisir mon animal, puisque je suis sur la game d'Anto, je laisserai choisir lui à la limite ce qu'il veut. Donc du coup on va back, on va retourner sur ma partie les potes. Attendez, voir le top 3, oui voilà c'était ça. Là on peut voir après le top 3 avec les animaux qui sont face à nous. Oh mais il est trop chou, il m'attend, regardez ça, il est trop mignon. Donc là je suis de nouveau du coup sur ma partie les potes, avec Drogon qui est toujours aussi chou. Donc on va voir plusieurs, alors comme vous voyez en bas à gauche, donc moi ma cam je sais pas où je l'aurais mis à ce moment là. Mais du coup en bas à gauche en fait vous avez des un système de level en fait tout simplement. La Drogon est niveau 7 et en fait le leveling se remplit avec l'attention qu'on lui apporte, les promenades, tout simplement tout ce type de choses. Ensuite en bas vous avez son niveau de satiété, sa soif, les câlins aussi très important, son humeur, tout plein de choses. Donc déjà on a un premier onglet avec, vous voyez, les soins, donc les caresses, la nourriture, l'eau. Alors ça, nettoyer les toilettes, prenez soin des amis en nettoyant leurs toilettes. Je ne sais pas ce que c'est, les toilettes sont propres. Je sais pas ce que c'est. Alors je pense que ça doit être pipi popo. Je pense que ça doit être ça. Pour le coup, on peut lui lancer des jouets aussi. Jeu de la baguette pour chat. Dès qu'un chat devient votre ami, ce type de jeu est déverrouillé. Ok. Habillé, prenez soin d'un ami, on lui donne. Alors oui, on peut l'habiller. Moi je lui ai mis ça, mais j'arrive pas à lui enlever. Donc c'est un peu chiant. Donc là, je vois qu'il est pas. En fait, il voudrait plus de caresses. Et notamment que je le brosse plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Drogon. Je le trouve tellement mignon. Je le trouve trop chou. Alors là, du coup, bon, on va pouvoir refaire avec la manette. Ouais, je trouve que c'est... Oh ! Mais c'est trop bien ! Tu fais des petites papouilles ! Oh, mon yoyo ! Il est tellement... Je pince les joues vers le bas ! Il est tellement chou ! Oh là là, ça y est, je deviens gaga. Ça commence. Ah ! Là, il est content.
Par là, il est content. Mais en fait, il va falloir trouver la zone, forcément. Vous allez avoir les Joy-Con, en fait, ils vont vibrer à ce moment-là. C'est la zone où il va être happy. Vous voyez, là, je vois que le ventre... Voilà, bah, chez moi, là, ça vibre. Donc, du coup, je vois qu'au niveau du ventre, il kiffe trop. Donc, on voit, du coup, en bas à droite, que la jauge, elle est en train d'augmenter, justement, parce qu'il est happy. Il est en mode, vas-y, tu prends soin de moi et tout, je suis trop contente, là. Donc, du coup, bon, bah, je vais continuer jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Et voilà, elle est déjà pleine. Et voilà! Il est trop mignon! D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a moins de... Ah, mais oui! Ça devait peut-être être ça quand je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, mais il a des taches dégueulasses. En fait, c'était peut-être un... Ah, mais oui, ça devait être ça, je pense. En fait, c'est qu'il fallait que je le brosse. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, bah là, il est tout clean, hein, je pense, hein, sur sa petite tête. Faut faire attention quand même, je veux pas lui faire mal. On peut lui lancer des jouets. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a de disponible. Il y a une petite boutique aussi, vous allez voir, ça c'est cool. Ok, alors vous avez vu par contre la maison que j'ai. La baraque, elle est énorme. J'ai une maison énorme. Il est trop mignon. Il est trop chou, regardez sa petite tête. Ma maison, elle est énorme, donc on va le féliciter du coup. Elle était bien mon pote. Oh là là, il est... Eh, franchement, il est trop mignon. Il est trop choupi. Je fonds pour cette petite mignonnerie. Il est trop cute. Alors on va voir si la jauge, elle augmente justement à gauche. Vous savez, les petits cœurs dont je vous ai parlé précédemment. Donc on va voir. Effectivement, vous voyez, les petits cœurs sont en train de monter. Après là, j'attends juste de level up parce que je crois qu'en lui refaisant une caresse, je vais re-level up de nouveau de toute façon. Et ça me, voilà, ça me permettra de débloquer du coup des choses, pas à la limite, pour vous montrer. Donc il est trop chaud. Donc on va aussi pouvoir changer les items. On voit aussi que j'ai acheté un os. Donc on peut lui lancer un os. Il est trop mignon. On va pouvoir lui lancer l'os aussi pour qu'il aille le chercher. Et là, en l'occurrence, il va pas du tout... Ah si, c'est bon, je peux bouger ma caméra, ok. J'avais pas prêté attention à ça. Regardez-moi cette mignonnerie. Il est pas trop mignon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup, on a des choses qui ont été débloquées. Donc au niveau des soins, je vous montre juste jeu de la baguette pour chat. On n'a pas de chat. Aucune utilité pour le moment. Et on a aussi habillé, donc on peut habiller nos animaux. Il y aura des tenues disponibles. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voir dans la boutique ce qui va être débloquable. Donc par contre, moi, j'aimerais lui enlever en fait ça. Mais je sais pas comment lui enlever. Je sais pas comment lui enlever en fait. Changer d'amis. Je sais pas comment le enlever. Ça, c'est tout un truc. Accessoires pour le corps, pour le moment, on n'a rien. Ah, mais c'est bon, je l'ai enlevé. Ah, mais c'est bon. Oh, il dort, mon pépère. On va aussi pouvoir le sortir. On va pouvoir faire une promenade. On va pouvoir le sortir, vous savez, et lui lancer les disques. Ça, c'est un truc qu'il y avait sur Nintendogs. Place des amis. Pour le moment, il faut être niveau 15. Dès que votre amitié atteint le niveau 15, cette option est déverrouillée. Donc, pour le moment, on ne peut pas encore. On aura les compétitions qui sont disponibles. Par contre, ce que je vois là, c'est qu'on a que de la compétition de frisbee. Donc, à voir après ce qu'il va y avoir. Peut-être qu'il y aura des modifications. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de choses. Je me rappelle qu'au niveau des compétitions, je crois qu'on avait une compétition d'obéissance. On lui faisait assis, debout, tout ça, tout ça. Je crois qu'on avait aussi une compétition où il devait sauter en fait des obstacles. C'était assez rigolo. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et là, je ne les vois pas. Pour le moment, je vois que le frisbee. Donc à voir peut-être par la suite ou peut-être avec le level up hein, tout simplement. Donc là on a aussi la boutique qui est disponible, donc on va regarder ce qu'il y a. Donc on a la boutique d'aliments qui est à notre disposition, on va pouvoir acheter de la nourriture. Donc au choix j'ai vu qu'on pouvait acheter de la nourriture, voilà, de type poulet, bœuf, poisson et mélange de saveurs. Donc du coup on a aussi des boîtes mais aussi des sacs de croquettes classiques. Alors après je sais pas... Ah oui d'accord, sec a un goût, ok donc chaque nourriture a, alors attendez non, sec a un goût bœuf recommandé pour les chiens qui aiment la nourriture croquante. Qui aiment la nourriture croquante, ah bah non en fait il n'y a pas de modification en soi. Il n'y a pas de modification en soi j'ai l'impression, à voir peut-être qu'en fonction des chiens ils ont des, peut-être qu'ils peuvent se lasser de la nourriture et par la suite aimer d'autres bouffes, ça je sais pas encore. Pour le moment, je suis vraiment au tout début du jeu, les potes. Hein. J'ai pas testé longtemps. Donc du coup, au niveau de la boutique, voilà, on n'a pas que ça. On a aussi la boutique de style avec des vêtements qui sont mis à notre disposition. On va pouvoir aller checker ça. Donc on va pouvoir y aller dans les tops. Donc dans les tops, on voit qu'on a des new. Donc on va regarder. T-shirt. Ah oui, on a des petites tenues. Mon petit Michel, pas dégueulasse. Je suis pas très fan de cette tenue-là, personnellement. À la limite, je préfère lui mettre un sweat, voilà. Il n'y a aucun élément pour le moment. J'ai pas de sweat, malheureusement. Jupe. Non, ça ira, je pense, ça va aller, j'ai pas envie de lui mettre de jupe. Pour le moment, on peut lui mettre un couvre-chef. Ah, oh, putain, ah purée, c'est excellent, fais voir ta tête. Yeah, mon pote, yeah, représente ou représente pas.
On peut lui mettre aussi des petits nœuds. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. On a aussi chapeau de Père Noël. Ah ben pour Noël, c'est magnifique ça. Pour Noël, on l'habillera. Impeccable, on a encore un peu de temps. Et là, on peut lui mettre un super truc en mode, vas-y, c'est Noël. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de Knuckle où il avait un petit truc comme ça aussi. Donc ensuite, on a accessoires pour le visage. Ah, on a débloqué des lunettes. Il est tellement chou. On a débloqué des petites lunettes fort sympathiques. Accessoires de cou. Donc on va voir ce qu'on a. On a les colliers classiques jusque là. Et ensuite, bah d'ailleurs, attendez, je vois qu'il y a des étiquettes pour certains. Vous voyez, ceux-là, c'est, ça, c'est de la genre 1300. Alors que ça, c'est avec les étiquettes. Ah, ah. Est-ce qu'on aura un cash-up à voir? Ou à moins qu'on gagne ça peut-être en faisant des concours aussi. Ça, c'est probable. Donc, on va voir par la suite si c'est en faisant des concours ou quoi. On a accessoires de corps. Pour le moment, je n'ai que ça. Pour le moment, je n'ai qu'un Père Noël. C'est tout. Un Père Noël de couleur, c'est incroyable. Donc pour le moment, j'ai que ça. On va pas lui mettre de choses comme ça pour le moment. Donc on va voir. Maison. Ah donc ça y est. On va pouvoir... Placement d'éléments de mobilier. Dès que votre amitié atteint le niveau 9, vous pouvez commencer à faire vos sélections. Design de l'intérieur. Vous pouvez changer le mur, le sol ou le tapis dans votre maison. Donc on va regarder, on va voir pour changer un petit peu. Ça nous changera de House Flipper, vous allez me dire. Mur. Au niveau des murs, donc on a plusieurs coloris disponibles, à ce que je vois. Mur diamant. Mur botanique. Et on a mur cube papier peint avec un motif carré. On a que ça au niveau des couleurs? Parce qu'on a quoi là pour le moment? Ok. Au niveau du sol, on a quoi? On a que ça au niveau du parquet et tout? Le tapis, qu'est-ce qu'on a? Là, ça fait très ramener la coupe à la maison, ce tapis-là. Bah, on va voir. Pour le moment, dans ce cas-là, je vais pas toucher. On aurait que ça, on n'aurait pas plus de personnalisation finalement? Ah, à voir ça par la suite si on n'aurait pas peut-être des... Si on peut nous mettre un cash shop ou ce genre de choses. Thème de la maison, vous pouvez changer le thème de votre maison. Donc on va voir ce qu'on a au niveau des thématiques. Oh, moderne. Oh là là, tellement de souvenirs. Ça, mais ça me fait trop penser au style que j'avais précédemment. Celui-là est trop beau. Allez, vous savez quoi? On essaye. Ah! D'accord, donc avec les tunasses, les grosses tunasses, 25 000. J'ai combien? Pourquoi c'est grisé, admettons? Et pourquoi ce serait grisé dans ce cas-là si j'ai 5 000, admettons? Bon, ok, on va voir. Je sais pas pourquoi c'est grisé, peut-être qu'il va falloir encore level up. Ok, donc on a des améliorations qui se font. Ah, celui-là, il est beau, du coup. Ah bah celui-là, du coup, j'aime beaucoup, forcément. Donc celui-là, on a que dalle. Celui-là, on a que dalle. Ah si, pardon, autant pour moi. Celui-là est très joli, finalement. Hein. C'est le plus simple, mais le plus joli. Mais je pense, franchement, que je vais partir sur... Ah, j'hésite. Je pense que je partirai sur celui-là. Sobre, vraiment efficace. J'aime beaucoup, mais pour le moment, je peux pas acheter. Vous voyez, quand je fais A, je peux pas. Donc, je pense qu'il va falloir que je level up pour ça. Donc, c'est pas un souci, on va level up. Et au niveau des options, qu'a-t-on? Livre de collection de tampons. Donc, on va avoir la possibilité... Voilà, vous avez débloqué des nouveaux tampons. Ok, donc en fait c'est des petits, comment je pourrais dire, ah mince, comment je pourrais dire ça? Des succès en fait qu'on déverrouille tout simplement. Ah mais c'est ça, ça doit être ça le coup des tampons du coup, caresser 10 fois un ami. Mais voilà, ça doit être ça je pense. Faire qu'un ami réalise 100 tours, bah je pense que c'est ça. Soin, nourrir 10 fois, bah je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. On va voir. De toute façon, on va lui donner à boire. Déjà, petit pépère, il commence un petit peu à avoir soif. Donc, on va lui donner de l'eau. L'eau, il n'y a pas besoin d'en acheter en soi parce que c'est déjà disponible, en fait. Regardez ça. Ça me fait rigoler. On dirait vraiment une assiette à pizza, quoi. La taille du truc, c'est gigantesque. Yeah! Voilà, c'est bon. Il a appuyé. Mais là, de nouveau, du coup, il a soif. Il a faim. Tu veux manger combien de fois par jour, en fait, mon pote? Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Si tu manges autant de fois à chaque fois. Donc du coup, on va faire ça et on va le nourrir sans plus tarder. On confirme. C'est parti, tu peux manger, mon petit pote. Allez, tu peux y aller. Il mange hyper vite, hein. Un glouton. Ce Drogon est un vrai glouton. Donc après, sans plus tarder, on va le sortir. De toute façon, ça devra level up pour, je pense, de le... Regardez. Oh bah, hey. Drogon n'a plus faim. Le leveling va assez vite, finalement, j'ai l'impression. C'est assez rapide. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de lancer le frisbee. Ah bah, vous savez quoi? On va faire le frisbee, déjà. Voulez-vous sortir pour jouer au disque volant? Oui. On va sortir, on va lancer le disque volant, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc on va voir ce que ça va donner. Là, c'est pas mal. Oh,
Je suis officiellement nulle à chier au frisbee. Je suis officiellement une grosse quiche au frisbee, les amis. Je suis officiellement nulle. Alors, ok, on a level up, cool. On a level up. Là, c'est pas mal, là. J'arrive pas à bien le lancer, hein. Échec. Merde. Ouais, je l'ai lancé comme de la merde. Allez, mon loulou. Oh non. Merde. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien du tout. Faut pas que ça lui plombe le moral pour autant. Vas-y, récup. Yes. Allez, bim. Drogon, je vous le dis, c'est un warrior. Ah, je vous le dis, personne ne peut surpasser Drogon, c'est un warrior. Ah, mais je vous le dis. Je vous le dis. Donc du coup, nice. Ok, on va lui relancer encore une fois. J'ai essayé de pas lancer trop loin. Yes, en fait, oui, voilà. C'est vraiment, faut pas non plus lancer trop loin, puisque après, je pense que ça va l'emmerder. Hein. Il va être en... Oh, c'est bon, ça suffit, la merde. Hein. Je crois que j'ai compris. Hein. Ouais, je crois que j'ai compris. Hein. Écoutez, en plus, on l'a lancé cette fois-ci à 5 mètres. Ça rigole plus. On l'a lancé à 5 mètres. Fort sympathique. Donc du coup, on lui fait une petite caresse. On va relancer. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. 3,61. Un peu plus nul par rapport au score précédent. Mais bon, on continue. On ne lâche rien. On va quitter ça. On va le faire sortir. Et on va lui faire une petite balade. D'ailleurs, vu qu'on a level up, je vais regarder ce qui est disponible maintenant. Peut-être qu'il y a des nouveaux trucs qui sont débloqués. Compétition débutant est désormais disponible pour jouer. Et bim, le magasin de mobilier désormais ouvert. Vous devriez y acheter quelque chose. Ah. Ah. Oh là là, il est trop chou. Il est trop choupi. On va voir. Élément de mobilier. Ah bah voilà, enfin, ça y est. Oh, il n'y a pas d'autre chose pour le moment. Ouais, non, ça c'est mieux. Acheter un seul suffira amplement pour le moment. Pas besoin d'en... Non, pas besoin d'en acheter 10 000 pour le moment. C'est très très bien. Donc on a terminé, on va aller lui déposer ce qu'on a acheté. Du coup, alors, soin peut-être? Non, c'est pas dans soin. Ah mon loulou, il faut qu'on le brosse. Regardez, il est pas trop content là. Il est fatigué aussi, j'ai l'impression. Donc on va lui déposer juste ce qu'on a acheté au niveau de la maison. Voilà, on va placer du coup l'objet. On avait acheté... Ah... Eh ben, on va mettre ça là, oui, tout à fait, ce sera bien. On va mettre la petite... Bah voilà, terminé. Faites voir, c'est où. J'espère qu'il va l'aimer, hein. Ça se trouve, il va le détester. Il va faire, mais c'est de la merde. Mais c'est de la grosse merde, en fait, ce que tu m'as fait, là. On va le sortir, après on va tester les concours, voir ce que ça va donner. Donc on va lui faire faire une petite balade. Il est trop chou. Faut que j'arrête, hein. La phrase que j'ai le plus dit durant la vidéo. Elle a dit quoi? Il est trop chou. Elle l'a répété 48 fois. J'en peux plus. Ok, commencer une promenade avec un ami. Alors, bah, j'ai envie de vous dire, courir. Go! T'es pas obligé de courir, tu peux marcher tranquille, tu sais. Alors, ok, c'est comme ça, du coup, en l'occurrence. On va lui faire aller au petit cadeau. Regardez, il y a des petits ballons, donc ça veut dire potentiellement du cadeau. Allez, il a lâché les ballons, il y a un Pennywise qui va arriver, on va rien comprendre. Oh, 2500 de tunas! Eh! Alors, je crois aussi que toutes ces petites zones-là, c'est en fait pour tout ce qui est pipi-popo. Donc, je sais pas pourquoi. Ils nous ont mis, par contre, des zones maintenant où il doit faire pipi-popo. Est-ce qu'elles y étaient déjà précédemment, ces zones-ci? Je me souviens pas qu'elles y étaient. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi pour sensibiliser les gens, plutôt pour dire, bah, vous voyez, il y a des zones vraiment pour faire pipi-popo. Peut-être, je ne sais pas. Et ici, à gauche, on a une statue de chien. Donc, on va voir. Je l'avais fait, il avait fait un truc trop bizarre. Regardez, voilà, vous allez voir, il va s'asseoir. Et il va prier le dieu chien. Et d'ailleurs, je crois que ça va me faire level up. Ouais, regardez, ça m'a fait level up carrément. C'est dès qu'il y a cette petite statue, faut pas hésiter à y aller parce que ça rajoute vraiment un certain bonus, ce qui est pas négligeable, puisqu'on a un level up. Alors, c'est pas dégueulasse, mon petit Michel, j'ai envie de te lire. Hein. Donc du coup, hop, marquage, bah 2 sur 2, recherche 2 sur 4. Bah écoutez, on va continuer de faire des recherches, hein. J'ai envie de vous dire, distance parcourue, on peut le faire courir un petit peu, allez. Allez mon pote, tu peux le faire, donne tout. Marquage, il est même pas forcé. Hop. Je sais même pas s'il aura envie parce que... Ah, s'il a encore envie, ok. Donc on va aller au ballon qui est sur notre gauche. On va aller voir sur le ballon à gauche. Je sais pas si par contre on a toujours le même parcours. Ça c'est un truc qui a été enlevé et qu'aurait été pas mal franchement. Je me souviens que dans Nintendogs on avait la possibilité de sélectionner notre propre parcours. Et ça c'était plutôt stylé. On pouvait lui faire un grand parcours ou un plus petit parcours en fonction de ce qu'on avait envie. Comment ça la carte de conduite? Ah ok. Là il faisait le con là. Il était en mode vas-y je fais le con. Et alors? Et alors qu'est-ce qu'il y a? Tu me charges des noises? Il était hyper vénère. Il était vénère.
Après, j'irai sur le pont. Alors, je sais pas si je pourrais y aller. Il y a un pont sur la droite, je vois. Écoutez, on ira sur le pont à droite. On verra bien ce que ça donnera. On va voir. Alors, non, tu viens par là. Tu viens. D'ailleurs, il a un petit cœur, le mien. J'ai pas fait gaffe. Il a un petit cœur à l'arrière. C'est rigolo. Donc là, recherche techniquement, voilà. Ah bah regardez, on a relevé, on a pris deux niveaux juste avec la promenade, ce qui est pas négligeable en soi. Ce qui est pas négligeable. Alors du coup, on va aller là-bas. Ça se trouve, il y a un truc hein, là-bas, ça va nous faire level up et tout. Hein. Oh, trop loin, il va trop loin du coup. Je pense qu'on est foutu. Non, non. Oh putain. Tellement dégoûté, c'est pas grave. On va essayer de le faire monter. Non, il veut pas. Donc tu peux pas en fait. Tu peux pas le faire monter. Donc on va le faire passer de nouveau là. Eh, qu'est-ce que c'est que cet écart? Ok, donc on le reprend direct. On va le faire passer juste dans l'herbe. On va s'arrêter. Ah, il en avait rien à foutre là. Cette fois-ci, là, non, il est en mode non. Mais là, j'en ai rien à foutre, ok. S'il te plaît, merde. J'aimerais bien essayer de level up niveau 15. Ah, j'ai l'impression que c'est fini, on peut plus level up. Je suis pas sûr. Hein. On va voir. Peut-être que. J'aimerais bien essayer de passer niveau 15. Bon, on va terminer la promenade. Afin de pouvoir le regarder, vous savez, la zone amie, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres chiens? Est-ce que peut-être là, on peut prendre le chat? Je ne sais pas. Boutique d'aliments, nouveaux produits en stock, nourriture pour chiens. Cool, thème de la maison, un nouveau thème a été ajouté. Ah, Drogon a appris un nouveau tour. Donne la patte. Yeah. Nice. Du coup, bah écoutez, au niveau des soins, on va regarder au niveau des croquettes, du coup, dans le shop. Ce qui est désormais disponible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nourriture. Ah oui, juste ici. Sac de nourriture pour chien poulet. 2 étoiles. Alors, c'est plus cher, mais ça nous donne... Moi, je vais lui donner au bœuf. Je vais lui donner au bœuf. Et on va voir, ça donne 2 étoiles. On va essayer. On va essayer, on sait jamais. On essaye, peut-être que ça va lui plaire, peut-être qu'il va vomir instantanément. On ne sait pas. Ah non, mais depuis tout à l'heure, je fais acheter. La meuf, elle gâche tout son fric. Bon, moi, t'en auras en rab, mon pote, hein, je te le dis. Bon, il a soif, j'avoue, après tout ça, il a envie de boire un coup, je suis complètement d'accord avec lui. Mais va boire, mon loulou, va boire. Je pense qu'on a la possibilité d'acheter ça, y'a. Donc, je vais acheter cette maison-ci. Et ça, c'est 100. Oh, c'est tellement cher. Pour ajouter juste des cadres, quoi, au mur, il s'emmerde pas quand même, hein. Donc, on va acheter ça, les potes. Allez, c'est parti. On n'aura plus de thunes, hein, mais c'est pas grave. On va faire des concours parce que Drogon, c'est le meilleur. Et Drogon, c'est le plus badass de tous. C'est le plus badass de tous. Eh, est-ce que c'est pas mignon, ça? C'est trop chou. Oh, le canapé, il est magnifique. Bon, on n'est pas dans House Flipper. Kiki, ressaisis-toi quand même. On n'est pas dans House Flipper. Mais en tout cas, c'est très joli. Les décorations et tout sont super sympas. Donc, on va sortir. Non, j'aimerais regarder dans la boutique avant. Au niveau de magasin de mobilier, est-ce qu'on a des nouvelles choses de disponibles? Comment il gueule. Est-ce qu'on a des nouvelles choses de disponibles ou pas? Non, pour le moment, on n'a pas de nouvelles choses de dispo. C'est pas bien grave. Je pense que ça va se débloquer par la suite. Au niveau de la maison, c'est ça que je voulais voir du coup. Est-ce que en fonction de la maison qu'on prend, le mobilier est différent? Ou absolument pas, ça ne change rien. On va voir. Est-ce qu'on a des nouveautés? Ah oui, on a des choses qui sont différentes du coup. Eh ben... C'est sympa ça, on a des choses qui sont effectivement différentes. Et les tickets, bah, c'est bien ce que je disais, maintenant j'en ai 8, donc c'est bien. Des sortes de succès qu'il faut faire dans le jeu afin de pouvoir avancer tout simplement et déverrouiller certaines choses. Donc c'est bien ça, en fait on peut modifier le tapis. Ok, donc en fait on a vraiment des coloris différents en fonction de la maison qu'on sélectionne. Donc ça c'est cool. Mais écoutez, pour le coup, je vais pas mentir, je trouve qu'elle est très belle comme ça la maison. Pour le moment j'ai pas trop d'améliorations à faire dessus. Peut-être le mur, why not? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, est-ce que je pars sur un mur hyper girly, rose et blanc, ou est-ce que je pars plutôt sur un mur en briques comme ça, qui est hyper joli. Mais étant donné qu'on peut pas faire trop de déco, j'ai peur que ça fasse trop blanc, et du coup, bah, le tapis vert déjà, je trouve qu'il a rien à foutre là, je le changerai par la suite. Là, ça va avec le mur bleu, mais je trouve quand même que peut-être qu'il faudra changer de tapis, mais on va pas se mentir, les tapis sont peut-être pas très très beaux dans le jeu, et c'est dommage même qu'on puisse pas les enlever. Je peux comprendre qu'ils veulent laisser pour que ça habille quand même. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas les enlever. On va partir au concours maintenant, voir ce que ça va donner. On va le sortir. Et là, on a vu qu'il y avait un premier concours qui était dispo. Ah, regardez, je vois des petits tickets. Oh, il est trop mignon. Je vois des petits tickets. Ah! Oh, bah ouais, on va dire oui. On va tester. Mais en fait, ça nous coûte...
Ça nous coûtait de l'argent, je crois, précédemment. Je crois que ça nous coûtait de l'argent. Le jeu est sorti en 2005, vous vous rendez compte, Nintendo Dogs? J'en revenais pas, l'autre fois, quand j'ai vu ça, je fais « What ?» Bienvenue à la compétition de disques pour chiens. Ah. Voici le numéro 1 en compagnie de Thomas, très amical. Voici le numéro 2 en compagnie de Ali, d'un naturel curieux, ok. Le numéro 3, ok. Faut qu'on se prépare. T'es prêt, Drogon? Lâche rien, mon pépère. Allez, c'est parti. Oh non. Go. Vas-y. Oh non. Ramène-le. Oh non, Osan est déjà 10 points. Ramène. C'est rien. Vas-y, c'est rien, mon loulou. Allez. Go, vas-y. Ok, nice. 10 points, vas-y, donne, mon loulou. Vas-y, je te félicite, c'est bien quand il va être tapis. Ok, go, 3, 2, 1, go. Vas-y, lâche rien. Yes, encore 10 points. Dans le cul, Océane. hyper violente dans ses propos. Ok, go, on y retourne. Vas-y, mon loulou, donne tout. Allez, les bulldogs français, c'est les meilleurs. Vas-y, on lâche rien. Vas-y. Yes. Je suis en train de parler à un jeu, ok. Pas de panique, je suis en train de parler à un jeu. Ok, la petite caresse. Ok. Allez, mon loulou. Le last, il l'a eu. Allez, dites-moi qu'on a gagné. Oui. On a gagné. Ah non, c'est ce qu'on gagnait. C'était 3005. Je pensais que c'est ce qu'on utilisait. Yeah, la première coupe. Coum, tout à fait, une coum. La première coupe, les amis. Trop la hype, trop bien. Donc en fait, c'est ce qu'on gagnait, 3005 points, d'accord. Enfin, 5 tickets. Compétition amateur est désormais disponible pour jouer. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous aviez le jeu. Est-ce que le jeu vous intéresse? Est-ce que vous allez vous le prendre ou pas? Est-ce que vous trouvez que les améliorations qui ont été apportées sont cool? Est-ce que ça manque encore de certaines choses? Moi, je trouve qu'au niveau des concours, le coup des disques, ça manque. Il n'y a que des disques pour le moment. Alors peut-être qu'après ça va se déverrouiller, hein, peut-être, hein, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je trouve effectivement ça manque peut-être d'autres concours, notamment la douche. Ça manque le coup, on pouvait le savonner et tout. Ça, c'était cool. Je trouve qu'il a été vachement simplifié sur certains points. Mais après avoir, peut-être qu'avec le système de leveling, justement, ça va débloquer certaines choses. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le coup. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment à tous ceux qui me suivent et qui sont sur Utip pour moi, qui regardent des pubs et tout. Merci du fond du cœur si vous ne savez pas ce que c'est Utip. YouTube, on sait ce que c'est, YouTube, on sait peut-être un peu moins ce que c'est. YouTube, en fait, c'est une page où vous allez pouvoir regarder des publicités, notamment sur ma page. Et en fait, ça va servir à rémunérer grâce à ça. Et ça va être vraiment top, donc merci infiniment à tous ceux qui soutiennent. Ça me permet d'améliorer, et là j'aimerais investir dans une nouvelle caméra. Ne plus record avec une webcam, mais record maintenant avec une caméra en fait. Donc ça, c'est des petites améliorations qui arrivent au fur et à mesure, qui arriveront dans les temps, dans les mois à venir, tout ça. Donc les copains, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous aime 3 fois 1000. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Enfin, moi et Drogon, on vous dit ciao quoi. Ciao.